Bonjour, bonjour, bande de BG. Bienvenue dans la salle de bain où vous ne voyez absolument rien, mais c'est le but. Il y a maintenant un an et demi, je visitais cette maison dans l'espoir qu'au moins une des deux salles de bain soit en état d'accueillir les horreurs que je pourrais lui montrer au fil des années. Mais apparemment, les deux en avaient déjà assez vu. Il fallait absolument les rafraîchir, les pauvres. On s'est donc attaqué à la première salle de bain, aka la salle de bain rose, ou la salle de bain de la tour, ou la salle de bain rose de la tour, ou de la tour rose, bref. On en a ch*** dans cette salle de bain. Ce qui est plutôt ironique puisqu'on a commencé par retirer les toilettes. Ouais, parce qu'on rentrait dans cette salle de bain et on avait à droite un cabinet de toilettes et à gauche la tour avec le lavabo et la baignoire. Donc trop de portes, trop de place perdue, c'était n'importe quoi. On a donc viré les toilettes qu'on a déplacées juste à côté dans un ancien placard. Ensuite, dans la tour dont le plafond culminait à pas moins de 3,50 m de haut, on a isolé puis abaissé le plafond, donc on a que 3 mètres de haut maintenant. C'est donc le plafond le plus haut de la maison, dans la douche, ouais. Et bizarrement, on se les caille pas du tout dedans. Tant mieux. Ensuite, on a tout pété du sol au plafond, littéralement, hein. On a cassé le carrelage du sol, ce qui a cassé une partie de la chape, chouette. On a viré le meuble basque, puis la baignoire, et le carrelage mural. On s'est retrouvé avec des murs en plâtre qui se décollaient rien qu'en le touchant. J'adore faire cet effet-là, c'est bon pour l'estime de soi. On a donc enlevé tout le plâtre, c'était long. C'était très long et hyper poussiéreux. Là j'ai encore de la poussière sur tout mon étage, j'ai beau la retirer, ça revient. On a ensuite coulé un ragréage à l'endroit où on a posé le receveur. Ensuite on a coulé une chape sur le reste de la pièce. Puis j'ai fait plaquer un des murs de la tour pour y cacher les arrivées d'eau et faire des niches. On a posé le receveur. Et ensuite on a fait quelque chose qui a pris beaucoup de temps mais qui était hyper nécessaire. On a tout étanchéifié avec des panneaux acarlés Q-board dont on a recouvert tous les murs. On a mis les bandes d'étanchéité, j'ai créé un banc, des niches, j'ai mis de l'étanchéité sous carrelage pour le sol. Puis on a raillé le reste de la salle de bain, là où sera le meuble basque. Là en fait on a fait une sorte de grande niche, un grand enfoncement pour y cacher tous les tuyaux et les câbles électriques. Puis enfin le carreleur est venu tout carreler. Il a fait le sol du receveur en marbre cassé, et le sol restant et les murs en travertin. Ensuite on a mis la colonne de douche, et puis on en est là pour la suite. Et là je comprends enfin pourquoi ça fait des mois qu'on est sur cette salle de bain, c'est l'intro la plus longue de l'histoire de toute ma chaîne et j'ai même pas tout récapitulé. Après si vous voulez tout dans les détails c'est dans mes vidéos précédentes, mais allez les voir après, là restez avec moi, on est bien là, surtout que je vais enfin vous montrer à quoi ressemble cette salle de bain après cette éternité d'attente insupportable. Donc c'est parti! On va commencer la vidéo par le meuble basque. Franchement, j'ai cherché pendant très longtemps un joli meuble de salle de bain qui soit à la fois classe et ancien. Et franchement, j'ai rien trouvé. Et je sais pas si vous avez déjà acheté des meubles de salle de bain, mais franchement, c'est super cher pour ce que c'est. Et je parle vraiment du basique de chez basique. Donc j'ai décidé de prendre un meuble ancien et de le transformer en meuble basque. Franchement, ça a pas été facile. J'ai écumé tout internet pendant un an à chercher le meuble parfait. Je voulais que ce soit principalement des portes et pas des tiroirs. Je voulais qu'il soit sur pied, qu'il soit joli, bien évidemment, et qu'il soit aux dimensions dont j'avais besoin. Pourquoi je me lance dans des trucs comme ça? Parce que je suis passionnée. Et parce que je suis bête. Et en décembre, je sais plus comment je suis tombée sur ça, j'avais tapé, je crois, buffet ancien sur Google, et j'étais tombée sur un meuble buffet dessert Henri II. Et c'est là que j'ai vu que c'était exactement ce que je cherchais. Il était là, il était juste devant moi. Il était plus disponible. Donc j'ai passé 2-3 semaines à essayer de chercher d'autres meubles qui y ressemblaient et j'ai fini par trouver un qui était quasi parfait. Il était à Rouen. Et je suis en Anjou, c'est pas du tout à côté. Mais il me le fallait! C'est juste après Noël, on est parti faire un deuxième Noël chez ma belle famille à Paris. Et donc j'ai demandé à mon chéri si on pouvait faire un petit détour. Tout petit détour, minuscule, à Rouen. C'est sur le chemin. Je lui ai dit, chérie, c'est pour mon anniversaire. Parce que c'est vrai, c'était le jour de mon anniversaire où on y est allé. Donc je me suis fait mon petit cadeau. On est parti à Rouen. Mais d'ailleurs, Rouen, c'est magnifique. C'est ouf. Je m'attendais à rien du tout hein, en allant là-bas. Mais purée, c'est super beau comme ville. En plus, en nous promenant dans la rue, on a croisé ma photographe de mariage. Elle est à Paris, je suis en Anjou. Qu'est-ce qu'on se retrouve à Rouen? C'était super drôle. Bref. Donc voilà, Rouen, ville magnifique. En plus de ça, on a fait un escape game qu'on a réussi. Donc maintenant, j'adore Rouen. Et là-bas, j'ai donc pu retrouver mon meuble qui m'était promis, qui m'attendait bien sagement. D'ailleurs, je voulais dire un petit mot à propos de la brocante qui me l'a vendue. C'était la brocante de Réja, donc à Rouen. Le proprio m'a vraiment fait énormément de peine parce qu'il me disait qu'en fait, les Français n'achetaient plus du tout ces meubles-là et que tous ces meubles anciens partaient à l'étranger, aux États-Unis, en Australie, en Pologne. Et donc, c'était vraiment triste de les voir partir à l'étranger à chaque fois. Et là, ça le rendait vraiment heureux de savoir que ça partait chez des Français. Voilà, c'est dommage parce que dans les brocantes, on peut avoir des meubles pour vraiment pas cher et les relooker et leur donner vraiment une seconde vie et en faire des pièces magnifiques et uniques. Voilà, c'est ce qu'on a décidé de faire avec ce meuble qu'on a séparé en deux.
on garde le bas, le haut on le gardera pour peut-être faire un petit banc, quelque chose de sympa, mais on le jette pas. Et il m'a coûté 200 euros pour avoir un meuble que personne d'autre n'aura chez soi. Voilà, sachant que si j'avais pris un meuble de salle de bain vraiment basique, j'en aurais pour au moins le double, donc contente. Alors maintenant, plongeons dans le vif du sujet. On a dû commencer par retirer le marbre. Alors je sais, horreur et sacrilège, mais il était super abîmé et franchement la couleur était pas super dingue. Ah, ça vient, ça vient. Je pense qu'il faut que tu m'aides. Ah bah non, elle est fine. Ah, oh, génial. Mais elle me semblait super épaisse, c'est bizarre. Oh, génial. Puis j'ai voulu faire un petit essai avec le travertin. On y est presque. On se demande si on mettrait pas genre une plaque. C'est qui dépasse, pour ça, ça dépasse un petit peu. Ça fait plus moderne quand ça sort. Voilà, là on va commencer à faire des petits ajustements. Alors, j'aimerais bien réussir à enlever cette partie basse parce que le meuble est beaucoup trop haut. Et je vois même pas comment je vais pouvoir faire ça. Faudrait que je le pose et je suis toute seule et j'ose pas le poser. Je vais faire des conneries, je le sens. Oh, c'est chiant. Donc j'ai utilisé la meilleure technique, j'ai été me coucher. Bon, on est le lendemain, j'ai enfin les outils qu'il faut. Je vais essayer de retirer ça. Je crois que j'ai complètement pété le pas de vis hier. Oh là là, j'ai complètement défoncé. Je vais aller regarder un tuto comment retirer une vis quand on a pété le pas de vis. Peut-être une explication. Un morceau d'élastique, donc si possible assez épais et assez large. Alors, un élastique. Je crois pas en avoir ici. Je vais aller chercher ça. Je vais voir si j'en trouve. Oh là là! Vous vous rappelez de cette story Insta que vous avez beaucoup aimée, bande de sadiques? Bah voici l'explication. Ah! Alors, est-ce que vous faites partie de ceux qui ont envie de rigoler ou de ceux qui ont pitié de moi? Parce que dans les deux cas, vous avez raison. Je suis dégoûtée. Comment? Je comprends même pas comment ça a pu partir dans ma tête. Vraiment pas. Donc j'ai tenté la solution de la dernière chance, j'ai appelé ma mère. Oh, oh. Faut essayer avec une pince là de tourner... Non, oh. Ce sera dégrippant. Voilà la pièce en question. Bon, on va espérer que ça vienne. C'est là que ça rentre. C'est trop... Oh, oh non si. Non. Ça y est! Ouais! Ah, purée! Eh ben, si, termine! Voilà, on dit termine! Faut que j'ai au moins l'impression voilà, c'est au moins que c'est elle qui d'avoir réussi à faire ça. Attends, je me suis blessée pour ça quand même. Eh ben, t'étais voilà. Une saloperie, toi! Et voilà! C'est bon. Non, toi. C'est bon. On a déboîté le truc. Voilà! Ouais! Wow. Et c'est pas de la poussière, c'est des bestioles. Ouais. Donc garde bien sur le truc, on va se jouer dehors parce que ça, si ça rentre dans ta maison, il y a peut-être plein de bestioles dedans. Ouais. Alors, on a retrouvé des vrillettes mortes, hein, heureusement, dans le bois. En fait, il avait été traité au xylophène à son arrivée à la brocante, donc ça a dû les tuer à ce moment-là et j'ai tout retraité également le jour même. J'ai commencé à nettoyer et à poncer le meuble. Bon, c'est du noyer, du coup, la couleur va rester assez similaire. Par contre, j'ai vraiment envie d'enlever toute la cire qu'il y a dessus, je sens ça colle, c'est pas agréable. Et comme je veux le vernir ensuite avec du vernis marin, j'ai envie que ce soit quand même exempt de tout résidu dégueu. Donc, je vais tout nettoyer avec de la térébenthine pure gemme, c'est de la térébenthine naturelle, un peu moins toxique que de la térébenthine. Je vais nettoyer ça, ça va enlever déjà le côté collant et ensuite je vais tout poncer pour enlever voilà, les endroits un petit peu... un peu foncé comme ici, voilà, j'ai envie que ce soit vraiment nickel. Donc c'est parti. Ah, et si comme moi vous mettez de la térébenthine en intérieur, ouvrez bien vos fenêtres ventilées parce que ça pue. Bon, on est deux jours après, j'ai laissé passer un petit peu de temps avec la fenêtre ouverte parce que l'odeur de térébenthine c'est tellement fort. Là c'est bon, ça sent plus et je vais poncer, ça y est. Bon, pour les surfaces plutôt plates, je vais utiliser du papier ponce. Et pour les petites moulures, j'ai pris de la laine d'acier en zéro. Donc, c'est très 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 léger.
mais ça devrait normalement pouvoir rentrer dans les petits creux quand même. C'est pas énorme, mais ça c'est avant et ça c'est après. Donc là on a la cire qui est un peu plus foncée et là ça y est, on a pu éclaircir un petit peu. Bon, maintenant je vais passer du vernis marin par dessus pour être sûr que l'eau ne s'incruste pas dedans, ne fasse pas de tache sur le meuble et le protège bien comme il faut. Ensuite, mon mari a installé la prise et l'interrupteur pour les spots et il m'a sorti la plus grosse aberration de l'histoire de notre couple. Tu sais pertinemment que tu me dois le respect et l'admiration. Oh, tu me saoules. Ici, on va mettre également du travertin sur le rebord parce que le meuble va arriver comme ça et on mettra du travertin ici et sur le dessus des étagères. Donc, mon chéri est en train... C'est pas toi, mon chéri Zouzou. Il est en train de faire ses premières découpes. Bon, c'est sa toute première fois à poser du carrelage, enfin encore pire, du travertin, donc la technique est pas parfaite, mais le résultat, si. Le lendemain, une fois que c'était sec, je me suis attaquée au joint entre les dalles, mais aussi pour reboucher les trous de la pierre et la rendre étanche. Aujourd'hui, on va faire quelque chose que j'adore, on va poncer. On va tout poncer et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de boulot. Je voulais essayer d'enchaîner par ma sous-couche, mais je suis pas sûre d'avoir le temps. Je pense que je vais juste avoir le droit de poncer aujourd'hui. Et c'est tout. C'est parti! J'ai fini de tout poncer, j'en peux plus, j'ai mal partout. Mais là je vais quand même mettre la sous-couche, au moins une partie de la sous-couche sur les murs, sur les anciens murs en plâtre. Je vais mettre une sous-couche anti-condensation parce que c'est pas hydrofuge, donc je préfère être sûre qu'au moins le plâtre va pas bouiller. Et je vais en mettre également sur le plafond. C'est parti.
maintenant je vais faire le contour de la douche au silicone pour être vraiment sûr qu'il n'y a aucune goutte d'eau qui me passe à travers. Maintenant, on va passer à la peinture des murs. Alors, je vais tout peindre avec une peinture à la chaux parce que c'est joli, déjà. J'aime beaucoup la chaux, je vous l'avais déjà montré dans le tunnel. C'est une peinture qui est résistante à l'eau et qui est plutôt saine. Bon, j'en ai pris une déjà en magasin, donc je suis pas sûre que ce soit si sain que ça. Mais c'est pas grave. J'aurais totalement pu la fabriquer moi-même. Mais je l'ai pas fait. Voilà, je vais faire deux couleurs. Vous verrez, je vous montre ça tout de suite. Alors, l'essai a été plutôt concluant. Bah, en tout cas, du téléphone, ça a l'air bien. Ouais. Ça va s'éclaircir, mais je sais pas à quel point ça va s'éclaircir. Quoi. Alors, effectivement, après séchage, ça s'est énormément éclairci. Et heureusement, parce que la teinte remontée des goûts, j'étais moyennement fan. Alors, la peinture que j'ai prise en particulier n'est pas destinée aux salles de bain. Je ne sais pas vraiment pourquoi d'ailleurs, puisque la chaux peut être dans des pièces humides sans problème, contrairement aux peintures acryliques, puisqu'elle tolère très bien l'humidité. Donc bref, je l'ai quand même appliquée, puisque je sais que dans cette partie-là de la salle de bain, il y aura très peu de buée et quasi pas de projection d'eau. Là, je suis partie sur une seconde teinte pour la niche, la teinte lendemain de gastro, qui par chance s'est également bien éclaircie quelques heures après. Et le lendemain, j'ai refait tout pareil en mettant une deuxième couche avec les mêmes couleurs sur tous les murs. Il est tard, mais allez, je me sauce pour faire le plafond. Je sais pas combien de temps je vais tenir parce que le bras en l'air comme ça, faire ça, je sais pas si je vais kiffer très longtemps. Mais on va essayer. À tout. Maintenant que les murs sont entièrement peints, on peut se réattaquer au meuble vasque, donc mon chéri s'est chargé de percer les trous dans le travertin pour les tuyaux d'arrivée d'eau et les évacuations. Ouais, parce qu'en fait j'avais prévu de mettre des suspensions de chaque côté avec une lumière tamisée pour avoir des jolies ombres sur les murs, mais en les installant on s'est rendu compte que de 1, ça faisait hyper chargé, et de 2, ça éliminait totalement la lueur du miroir et les effets de matière du mur. Donc on a finalement décidé de remplacer les suspensions par des spots qui changent de couleur, c'est beaucoup plus sobre. Ensuite, on a percé le placo pour y faire sortir les tuyaux d'arrivée d'eau. Puis on a percé l'arrière du meuble pour y faire rentrer le tuyau d'évacuation.
Ensuite, Cyril est passé car on avait une fuite. Quoi ? Une fuite ? Non ! Encore ? Ouais, une fuite qu'on n'arrivait pas du tout à réparer. Le pauvre, il a dû revenir pas mal de fois juste pour ça. Sauf que là, j'étais pas à la maison, donc ma mère a pris le relais. Nous essayons de trouver pourquoi ça coule toujours. C'est une maison qui fuit de partout. Non mais c'est moi en plus. Quand c'est pas par les gouttières, le toit, le... de partout. Et c'est officiel, ça ne fuit plus. Enfin, cette partie-là... Hein. Toi, fuis toujours. Ok, on vient d'installer le meuble. On a fait des petites trappes pour avoir accès. On fait un petit trou ici, ensuite on pourra refermer par-dessus. Et donc on a accès à la trappe et à la rivée d'eau. Il faut absolument que je monte les lavabos que j'ai pris. Ils sont... Ouf. J'ai pris des vasques à poser. En fait, j'arrive pas à le soulever tellement c'est long. Oh, je vous montrerai quand ce sera posé. Là, je vais poser une plaque qu'on a déjà trouée. Ça servira à soutenir le travertin. Et puis là, en essayant de connecter le siphon à l'évacuation, je me suis rendu compte qu'elle était un peu trop haute et qu'il fallait donc la raccourcir et donc rouvrir le mur, tout ça à minuit. Parfait. Dans le main, j'ai donc rebouché tous les trous, j'ai fait mes joints, j'ai mis de la perméabilisant dessus et maintenant on va pouvoir faire tous les raccords. C'est parti. Ah oui, j'ai aussi collé le travertin sur la plaque juste en dessous pour être sûr que ça ne bouge pas. Comme vous voyez, on n'a pas beaucoup de profondeur pour aller là, donc on va avoir des petits tiroirs larges comme ça, mais bon, on n'a pas trop le choix et bon, moi, ça nous permettra de mettre des petites choses dedans. Je sais qu'en général, les tiroirs sont découpés au centre avec du rangement de chaque côté, mais on ne pouvait pas faire ça là, car les évacuations étaient juste en plein dedans, donc on ne l'a pas fait. Sur ce mur, j'attends mon sèche-serviette qui devrait arriver d'ici quelques jours. Ici, j'aimerais mettre des petites patères pour accrocher nos peignoirs. Et j'en ai cherché partout sur internet et je les ai trouvés juste à côté de chez moi. C'est parti. Dans la deuxième maison. Bon, au final, on a choisi de les mettre ici. Les deux portes de peignoir et on mettra le sèche-serviette juste à côté, là. Parce que sinon ça va trop nous gêner quand on se lavera les dents. Plus pratique surtout. Parce qu'au moins on a juste à sortir de la douche, on a juste à aller là et on n'a pas à venir là avec nos pieds tout sales qui auront été tout trempés, dégueux.
Voilà. On est propre normalement quand on sort de la douche. Bah toi oui, moi non. Et ça textote à d'autres meufs, au calme. Si cette perce droit, je veux bien me faire curer. Au moins curer le nez. Oh là, chérie, arrête. Pitié. Bon, viens mettre tes peignoirs. Ok, toute dernière chose à faire dans la salle de bain, je vais peindre la porte qui, franchement, de base, est dans la bonne teinte, mais juste un petit peu trop jaune. C'est pas ouf. Donc, je vais repeindre tout ça. Il y a zéro différence. On dirait vraiment la même couleur. J'hésite à foncer un peu. Je vais foncer un peu. D'ailleurs, petit tip, si vous faites beaucoup de peinture, achetez des colorants. C'est génial. Ça permet vraiment de modifier n'importe quelle peinture. Comme là où je trouve que c'est un petit peu clair, je vais mettre un petit peu de colorant dedans et j'aurai la teinte que je voudrais. Donc, c'est la bonne astuce. Oups. Sauf si vous en mettez sur la figure. Dernière vidéo où je vous avais demandé quelle plante mettre ici. Vous m'avez donné énormément de conseils, de noms de plantes. La Monstera est beaucoup revenue. Alors, il y a quelques variétés que j'avais trouvées sympas, mais c'était pas spécialement ce que je voyais ici. En fait, j'avais une plante en tête depuis le départ et j'attendais de voir si elle allait ressortir dans les commentaires et elle est ressortie. Donc, à partir du moment où je l'ai vue, je me suis dit ok, yes, c'est bon, vas-y, je vais la mettre. Je suis obsédée par les palmiers. Je veux que ça chez moi. Donc quand j'ai vu que le Kentia était revenu plusieurs fois, je me suis dit c'est bon, je la prends. Alors je l'ai commandé sur Amazon, sur un site qui s'appelle Plant in a Box, parce que j'arrivais pas à la trouver près de chez moi. Enfin, en tout cas pas de la taille que je voulais. Donc on va ouvrir ça et voir ce que ça donne quoi. Je vous recule un petit peu, sinon vous ne pouvez rien voir. Salut beauté. C'est ma tête quand j'ai de nouveaux palmiers chez moi. C'est bon, tu peux respirer. J'adore. Le sèche-serviette est arrivé, on va pouvoir aller l'installer. Ouais, mais ça c'est chelou. Hein. Ouais, grave. Eh ben je crois qu'on a fini. Je vais enfin pouvoir vous montrer tout. C'est parti. Voilà pour ma salle de bain. Est-ce que c'est ce à quoi je m'attendais? Un peu, c'est encore mieux en fait. Je vais vous faire un petit tour pour vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne et où est-ce que j'ai eu tout ça, que je vous mettrai d'ailleurs en barre d'infos comme d'hab. Alors, ça
Salut. On a donc les deux vasques qui sont en pierre, que je trouve magnifiques. Je sais qu'on va me dire, mais comment tu vas réussir à nettoyer en dessous? Eh ben écoutez, l'eau ne va jamais en dessous. Tout ça c'est tellement grand que ça ne peut absolument pas déborder, donc à part faire les poussières en dessous, on fera jamais rien. Les robinets style vintage qui viennent de chez Democratic Design. Ensuite on a, bon pas les brosses à dents hein, parce qu'on vit ici. Et donc le petit verre à dents, le porte-savon qui ne me sert pas du tout de porte-savon et le distributeur à savon que j'avais pris chez Centracor. La petite boîte faite main que j'ai pris chez Amazon pour cacher tous les trucs qu'on n'a pas envie de voir. Et la petite télécommande, puisque on peut changer. C'est génial. Même si, franchement, on la laisse que sur la lumière normale. Le fameux miroir où on peut changer de couleur, qui est également chauffant pour pas qu'il y ait de buée dessus. Petites bougies qui sont trop bonnes. Encore de quoi cacher les cotons-tiges et les disques de coton. Ici, on a, je trouve, une très belle imitation d'eucalyptus que j'ai acheté bizarrement sur Shein. Alors, je m'attendais pas du tout à ça. Et je trouve la qualité vraiment super belle. Avec un petit vase qui vient de chez Action. Ici, on a donc des petits tiroirs qui sont vraiment tout petits, mais c'est suffisant. Derrière tout notre bazar, on a la trappe qui nous permet d'accéder à ça. Et ici, on a donc la prise avec la lumière qui allume beaucoup mieux. Donc là, on se voit totalement. Je préfère franchement me voir comme ça, mais bon. Ici, bon bah, le porte-serviette qui sert également à chauffer la pièce, même si on n'en a pas encore eu besoin. Mes deux petites patères, le tapis de bain qui vient de chez La Redoute, et cette plante sublime, 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 magnifique. J'ai piqué l'amphore à mes parents, ils ne le savaient pas, c'est pas grave. Et je trouve ça tellement joli. Mon petit kentia. Alors, je suis sur mon petit banc. J'avais un petit peu peur que le kentia se prenne de l'eau quand on se lave, mais en fait, ça ne reçoit rien du tout, parce qu'on se lave par ici en fait, on se rend compte. Et là donc j'avais mis mes petits distributeurs que j'avais pris pareil sur Amazon, qui sont jolis avec des petits messages pour te mettre de bonne humeur le matin. Et puis voilà, je suis extrêmement contente. Alors on a également deux VMC, une ici qui était avant dans les toilettes et une dans la douche. T'as jamais de buée ici, c'est plutôt cool. Ici on n'a pas carrelé ni ici parce que ça aurait fait un petit peu bizarre, ce serait tombé là, et puis là ce serait sorti pour rien, mais on n'a jamais d'eau ici, donc on s'en fiche. Ma fameuse porte qui est maintenant un petit peu plus foncée que le reste, et un petit tableau qui représente une géode, juste pour habiller un petit peu ce côté-là. Voilà, voilà, je pense que je vous ai tout montré, on a pris enfin nos premières douches ici. Je crois vraiment que je n'ai jamais autant kiffé une douche de ma vie. Enfin, pas une, hein, j'en ai pris plusieurs, vous inquiétez pas. Et voilà, on est vraiment super, super heureux d'avoir enfin une belle salle de bain ici. Je voulais donner un aspect vraiment spa, vraiment relaxant à cette pièce-là, et je trouve que c'est... exactement ce qu'on a avec les couleurs, avec les plantes. Il faudra que je fasse la deuxième salle de bain, j'ai pas spécialement hâte vu comme on a galéré à faire celle-ci. Mais elle devrait être un petit peu plus simple, espérons. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu autant que j'aime ma salle de bain. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à dans 2 semaines.